Salut tout le monde, c'est Hazard, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Minecraft. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 32 du fameux Let's Play Redstone. Donc aujourd'hui, qu'allons-nous faire? On va s'attaquer au spawner à zombies qu'un cher abonné à moi a découvert. Donc un très très grand merci à lui pour m'avoir découvert ce petit spawner à zombies. Comme ça je pourrais récolter des patates avec ces zombies quoi, voilà tout simplement. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait hors caméra. Donc comme vous le savez, ici on a tout enlevé. J'ai pas enlevé tous les arbres, il en reste que qui flottent un petit peu. Là faudra que je l'enlève un petit peu là-bas. Et puis oui, vers là-bas un petit peu, voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai travaillé, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai travaillé hors caméra pour faire un tunnel jusque là-bas. Je vais vous montrer. Alors pourquoi j'ai fait ce tunnel, ça sera pour peut-être, on va peut-être commencer pour notre épisode 33, voilà. Donc vous voyez que ici ça va attaquer tout en haut, il faudra que j'enlève tout ça. Et ici ça sera la salle, et là j'ai découvert un très très grand truc, vous allez voir. Bon on va pas descendre, mais j'ai découvert vraiment une très 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 grande mine. Donc ça m'a fait plaisir parce qu'on pourra faire peut-être quelque chose de bien sympa à l'intérieur. Voilà les amis. Donc on va aller chercher tous nos matériaux et on va s'attaquer au petit spawner zombie. Donc bien sûr j'ai fait pour l'épisode 31 le spawner à squelette, comme vous le savez, pour avoir des arcs aussi, également les loot ou l'XP. Et là ça sera éventuellement, enfin ça sera principalement que pour l'XP, sachant qu'on peut récolter en même temps les loot. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Et ça ne sera pas la même façon, ça ne sera pas avec un piston. On va varier, on va le faire avec un distributeur et de la lave. Voilà, tout simplement. Je vais monter un petit peu le son. Voilà, on va s'enlever de là. Donc oui, alors ça y est, donc on est en TU16 comme vous l'aurez pu remarquer. On est passé dans cette fameuse mise à jour pour la correction de bugs. Donc les bébés vaches, normalement... tout se passe bien, devrait arriver à dans ce bloc grandir. Voilà, donc mon usine la vache marche parfaitement. Hop, tac, hop, on va poser le fer. Voilà, donc mon usine la vache, elle remarche. Voilà, tout simplement. Et donc, on va pouvoir le faire vraiment très très simplement. Voilà, donc alors, il me faut déjà, on va poser tout le bois, et même je crois que je n'ai pas plus de place pour ce bois parce que j'en ai vraiment beaucoup. Voilà, j'en ai plus. On va mettre un peu là. Tac. Non. Pas ça par contre. Ça, je vais le poser là. Ça, on peut le jeter. On n'en a pas besoin. On va le poser là-bas. Et ensuite, donc en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir hein, qu'on reprenne le let's play. Ou est-ce que c'est le bloc d'air, voilà. De reprendre ce fameux let's play. En tout cas, moi, ça m'avait bien manqué. Donc voilà, on est le week-end. Donc je vais essayer de proposer, je tourne la vidéo le vendredi après-midi. Peut-être vendredi soir ou même samedi matin, je pense plutôt. Ça sera beaucoup plus cohérent. Hop. Alors, cuir graine, voilà, c'est ici. Tac, voilà. Alors, on va chercher... donc ça sera vraiment très très simple. Ça marche avec un distributeur, un seau de lave et un petit peu de redstone, un piston collant. Tac, on va se prendre repeater, il m'en faut 2. Tac, on va se prendre la redstone. Vous voyez que j'ai 2 stacks de minerais de redstone, donc ça c'est pas un souci. On va transformer tout de suite. Tac, alors qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Un seau de lave, boum, ça c'est bon. Ouah, non, oulala, ok, j'ai fait une petite bêtise. Ça, il nous faut surtout. Voilà, 2 seaux d'eau. Parfait. Je pense qu'on a tous nos petits ingrédients. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment pour avoir des carottes parce que... des carottes, non. Les carottes, je les ai. C'est plutôt pour les... pour les patates. Comme ça, j'aurai tous les aliments de cette TU14. Ouais. Pour la TU14. Et donc ensuite, on pourra s'atteler
sur les nouveaux aliments pour faire un petit système qu'on m'a déjà proposé. En plus, c'est vraiment très très sympa de votre part, enfin plutôt pour de sa part. Voilà. Donc, bah c'est parti. Donc, je crois que j'ai tous les matériaux des blocs. Ouais, c'est bon, j'en récolterai. Donc, l'usine à sable, il me semble qu'elle marche plus. Enfin, elle marche pas en TU16, non. Donc, on va aller au spawner à zombies. Donc, le spawner à zombies, attendez que je regarde sur le PC. Donc, le spawner à zombies est à moins 35, 37, 236. Voilà, donc il est vraiment très très proche. Parce que là où je vous ai montré où il y a le gros trou là, ce que j'ai miné, comme ça m'y amènera directement. Donc ça sera beaucoup plus simple. On va manger un petit peu de carotte. Voilà. Donc, bien sûr, je vous invite à aller regarder la vidéo du spawner à squelette pour vous expliquer un petit peu comment on peut optimiser le spawner, bien sûr. Donc, moins 35, 236. C'est ici. Ok, voilà, c'est ici. Ok, donc on va descendre. Hop, tac, et on va reboucher pour avoir l'eau. Voilà, donc là je pense que vous voyez pas trop, mais dans quelques secondes, voilà, vous y voyez. Et en plus, on est au bord d'une faille. Donc voilà, c'est peut-être sympa ou pas sympa, je ne sais pas. Il faudra que j'éclaire là toute cette zone qui est vraiment très très grande pour notre. Pour notre tour à mob. Donc voilà, je pense pas faire dans cette direction plutôt le spawner. Ah voilà ce que j'ai oublié, je le savais. Bon, j'irai le rechercher. Je vais plutôt le faire dans cette direction, sachant que notre mine est vers là-bas. Donc je vais faire ça tranquillou. Je vais creuser. Ah, on a un CD. C'est bien sympa. Tac, on va récolter tout ça. Hop. Voilà. Tac. Tac. Ok. Donc voilà, donc moi je vais commencer à miner. Donc voilà, je vous invite, comme je vous l'ai dit, à aller voir l'épisode du squelette pour pouvoir savoir comment on fait une optimisation d'un spawner. Voilà, et ensuite je vous expliquerai un petit peu le principe du spawner pour récolter les patates, et peut-être qu'on en aura en direct live. Voilà les amis, donc on se retrouve tout de suite quand j'aurai miné et puis fait la zone. Voilà, allez, à tout de suite les amis. Ok les amis, donc ben voilà, donc j'ai terminé la petite truc, je vais placer les sources d'eau et donc on va y aller tout de suite. Donc je vais prendre un petit peu de bois, tac tac, le bois, voilà, parfait. Voilà, donc j'ai récupéré mon dispenser, on va faire le système et ensuite je pense que je ferai le petit truc ou le petit chemin hors caméra bien sûr. Voilà, on va pas faire un épisode trop long, je pense. Tac, voilà. Donc, bon, excusez-moi, là, on n'y voit pas grand-chose. Hop, voilà, parfait. Ok, donc, alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, voilà, là, on aura notre système de mince. Pour griller les zombies, quoi. Voilà. Hop. Donc, on va plutôt les mettre vers là. Voilà. À ce niveau, ce sera beaucoup plus simple. Ok. Et donc, on va placer déjà nos sources d'eau. Au moins, ça sera fait. On va faire une table de craft. Tac. On va se faire pancarte. C'est ici. Non, c'est pas ici. Où est-ce que c'est les pancartes déjà? Je me souviens plus du. Ah, voilà. C'est ici. Tac. Ok. Bon, j'ai pas de hache. On va placer nos sources d'eau. Hop. Voilà. Tac. 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 Hop. Hop. Et hop. Voilà, parfait. Donc, alors, je vais répéter un petit peu brièvement. Donc, c'est 8 de longueur et 3 à partir de ce. Du donjon, donc c'est-à-dire que 8, 3 par ici à partir de ce bloc là où il y a la torche, et 3 de l'autre côté, donc ça fait 3, 3, 6, donc ça fait 7 de longueur, de largeur, pardon. Donc ici on met des sources d'eau dans chaque coin car les zombies, quand ils vont arriver là, hop, ils vont tomber directement. Et donc on va faire notre système. Alors c'est parti, donc je vais vous montrer comment ça marche.
Alors tout d'abord, il faut placer un dispenser qui sera ici. Tac, voilà. Qui où dedans il va y avoir notre fameuse lave. Ici, vous inquiétez pas, on recouvrira beaucoup plus tard. Donc, on va placer. J'ai pas de la. Ah, punaise. En bois, ça ne va pas marcher, donc, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'ici on a moins 34, 29, 250. Donc, hop. Bon, il faut que je remonte. Moins 34, 29, 250. Tac. Ok. Hop. Il faut que j'aille rechercher parce que j'ai oublié de la cobble. Enfin, de la pierre lisse plutôt. Bon, je suis désolé. Je vais aller chercher ça tout de suite. Donc, oui. Alors, comme ça, du temps que je remonte. Donc, vous savez, le trou là. Alors, je pense. Enfin, le trou que j'ai construit. Je pense que je vais commencer pour l'épisode 33 qui sera donc, je vais commencer, donc ça va être assez long hors caméra. Ça va être l'usine à pigmen dans l'overworld. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à miner. Sachant qu'ensuite on aura une grosse structure vers là-bas. Donc c'est pour ça que je l'ai fait vers là-bas. Et surtout plus loin pour la tour à mob. Sinon il risquait d'avoir des petits soucis. Voilà les amis. Et également pour continuer les systèmes, et on fera d'autres systèmes, sachant que là-bas c'est terminé, on a notre salle des coffres, donc c'est fini. Voilà, donc on continuera pour faire des nouvelles choses. Voilà. Et je pense commencer un petit peu dans la construction. Donc voilà, c'est beaucoup plus. Enfin, j'aime bien la construction. La redstone c'est bien, mais on va essayer de varier un petit peu. Je pense que ça peut être sympa de modifier quelques trucs dans le LP, de construire des choses gigantesques sur Xbox, hein. Ça peut être sympa, ça peut être vraiment sympa. Alors non, pas là. Tac. Donc il nous faut ça. Ok, ça c'est bon. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Hop, donc on va y aller. Ouais, l'usine à vaches plus tard. Ensuite là-bas, il faudrait que je termine aussi le marché. Je pense l'agrandir. Donc je pense faire vraiment un grand marché. Mais bon, pas vraiment un très très grand. Mais un peu plus grand là. Parce que là, sachant que je crois que j'ai que 12 PNJ. J'ai 12 cellules à PNJ. On n'a pas terminé. Il faut faire aussi le séparateur à villageois quand on en a plus besoin. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Encore un petit peu sur le display. Il y a beaucoup de petites choses à faire. Donc ça va continuer. Surtout que n'hésitez pas à poser les questions pour la FAQ des 2000 abonnés, hein, donc surtout n'hésitez pas. Sachant que normalement mardi prochain, si je dis pas de bêtises, vous aurez une nouvelle vidéo mardi dans l'après-midi ou mardi soir, je ne sais pas encore. Tac, voilà, donc ça c'est parfait. On redescend, boum, voilà. Donc c'était quoi que j'avais pris? Ah oui, voilà, de la pierre lisse. Donc on va se faire un bouton en bois. Attendez. Non, c'est bon. Donc, on se fait un petit bouton en bois. En pierre lisse. Ensuite, on va se faire donc un système avec un piston. Donc, vous allez voir, c'est vraiment c'est très très simple. Donc, on va se prendre la cobble. On va se prendre ça. Tac, tac. Les enderpearls, on n'en a pas besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. On va poser un bloc ici, sachant qu'on va avoir notre redstone derrière, donc ce qui va activer notre piston, notre poudre de redstone. Ici nous allons mettre un bloc, on va changer sa texture du dessus, on va mettre ça, tac, donc ce qui va activer notre piston. Hop, attendez. Attendez, je regarde juste un petit truc. Non, c'est bon. Je croyais que je parlais sur script, mais non. Donc, alors, ensuite, quand vous avez fait ça, là, il n'est pas ultra, ultra compact, mais il est vraiment très, très simple. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez mettre
un répéteur derrière sur 4 tics. Vraiment très très important de mettre 4 tics. C'est pour le délai de la lave quand elle va reprendre, enfin quand elle va être crachée et ravalée. Donc c'est vraiment très très important. Ici vous allez mettre un bloc, ce qui va activer notre redstone dans ce bloc. Là vous allez mettre deux petits blocs pour activer notre redstone via ce bloc. Hein. Donc le courant va passer dans ce bloc qui va activer ces deux redstone. Voilà. Là vous allez monter ici. Oh, il fait peur celui-là. Oh, il faisait peur. Hein. Il nous regardait bizarrement. Enfin, bref. Donc, alors, quand vous avez posé ces deux poudres de redstone, vous allez mettre sur ce bloc. Vous allez mettre au même niveau que piston. Qu'à celui du piston. Ensuite, vous allez mettre redstone ici, qui va passer sur le dispenser, donc qui va activer le dispenser. Ensuite, vous allez mettre un bloc ici, avec un repeater sur, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 4 ticks de délai aussi. Celui-là, je sais plus trop en fait les délais. Va falloir que je regarde. Faudra que je regarde dans le mode, dans mon monde créa. Ensuite, vous allez mettre un autre bloc. Donc, c'est qui va activer notre courant qui va passer dans ce bloc. Et donc, là également. Et donc, vous allez faire la même manipulation. En fait, c'est la même, mais pas dans le même sens. Voilà, c'est surtout ça. Donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur le bouton, le courant va passer vraiment très très vite, va activer cette redstone qui va passer, qui va activer le repeater, notre distributeur, donc il va cracher la lave. Et ici, il va y avoir un petit délai qui va passer dans ce bloc, activer les deux redstone et donc il va ravaler la lave. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc là, il y a la lave et là... Voilà, vous avez vu, c'est vraiment très très rapide. Et donc, si je vous remontre avec le piston, vous avez vu, c'est vraiment, c'est, je crois, 0,2 ou un truc comme ça. C'est vraiment très très court, ce petit délai. Donc comme ça, ça permet de recracher, de cracher et de ravaler. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, ce que vous devez faire, c'est juste de enlever les torches qui sont situées au-dessus. Hop, tac, on va poser un petit bloc. Donc pour ça, rien de plus simple. On va déjà boucher. Hop, attendez. Si j'arrive, voilà, au-dessus. On fait tac. On peut les enlever. Parfait. Oula, ça commence déjà à spoil. Sachant que ceux-là, on va les enlever hein, directement. Ah ben voilà. Ah ben ça y est les amis. On a notre première patate. Ça y est, on a tous les aliments de cette fameuse T14. Voilà, donc je suis vraiment content là. Ce n'est qu'une patate, mais je suis vraiment content. Parce que comme ça, on pourra faire notre petite farm. Voilà, tout simplement. Donc, on va pas la manger. Je la récolterai à fond. Je pense faire deux petits stacks de petites patates. Et ensuite, on regardera. Donc, on va regarder comment le système marche. Voilà, donc on a déjà un zombie. Donc, bien sûr, j'ai pas fait le système pour fermer au-dessus. On peut le faire, c'est vrai. Donc il faut juste rajouter un bloc ici avec un piston qui fermera le système quoi. Donc comme ça pas d'autres zombies qui vont venir. Et donc là on peut l'activer. Vous allez voir. Voilà. Donc normalement il devait pas passer sur le côté. En TU16, bon mais c'est pas grave. Il y a un petit souci. Normalement ça devait être réglé mais bon. Voilà. Donc normalement si tout se passe bien, il leur restera un cœur. À part pour quelqu'un. Ouais voilà. Vous voyez, il y en a quelques-uns qui sont revenus là donc. Il leur reste un petit peu de cœur. Donc voilà les amis. Donc en fait je pense. Attendez que je regarde. Tac. Hop, tac. Non je n'ai pas de piston. Donc j'aurais bien fait le système là pour clôturer au-dessus, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé, donc on est quand même à 18 minutes. Je pense le faire. Donc vous savez quoi les amis, on va chercher moi je vais aller chercher là hors caméra tout de suite là un petit piston. Pardon. Je vais aller chercher un petit piston comme ça on pourra fermer on va faire une sorte de clôture. Et ensuite ça sera beaucoup plus simple pour les zombies. Voilà les amis, allez je reviens et à tout de suite.
Ok, donc les amis, voilà, nous revoilà pour le. Ok, voilà, nous revoilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on se retrouve pour la dernière, sûrement la dernière partie. Alors, vous voyez, c'est vraiment très très simple ce qu'on va faire déjà. Sachant que ça va. Ils vont s'en positionner ici. On va avoir notre bloc là. Tac, tac. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. Non, pas dans cette direction. Hop. Alors ça, c'est vraiment. Hop, voilà, parfait. Donc vous voyez, c'est vraiment. Ça spawn vraiment, mais très très vite. Bon, il y a encore un petit peu ce petit bug de rendu là, de mob qui passe à travers les blocs. Donc, alors, comment nous allons faire pour passer sur ce truc? Alors. On a notre système ici, donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment très très simple. On va mettre une peau de redstone au-dessus, et donc non, si je dis pas de bêtises, on actionne le système. Attendez, ouais non, donc ça n'a pas activé. Pourquoi? Ah d'accord, parce qu'en fait ça rentre en contact. D'accord, ouais, il faut quand même garder ça. Voilà. Donc, on va terminer qu'il brûle et je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. On a tous les ingrédients. Bon, il y en a, alors c'est assez chiant quand même. On voit pas trop avec ces bugs là. Ils spawnent vraiment de. Il y en a de partout. Ouais, ça va là, sur le côté. Bon, la TC, ils ont fait la correction de bugs, mais pas trop en fait. Ils ont rajouté des bugs même. On a encore une patate, c'est tout. On a qu'une patate, mais bon, on en a déjà eu. C'est déjà pas mal. Allez, on les brûle tous. Ok. Donc, normalement, si je dis pas de bêtises. Mais pourquoi ils s'activent pas en fait? Vous savez, ce qu'on va faire, c'est quand. Non, attendez. Ok, ça l'active, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va se faire un petit peu de cobble. Tac, voilà. On va se faire un petit. On peut même se faire comme ça, vous allez voir. Hop, on va faire tac, tac. On va se prendre des dalles, même. Voilà. On peut prendre ça. Comment ça marche déjà, les dalles? Tac. Il faut un bloc ici. Hop. Hop. Non. Pas ça. Tac. Et donc là, normalement, on a. Voilà. Donc là, normalement, ça active notre truc. Tac. Tac. Hop. Et donc, tac. Voilà. Donc là, ça active avec cet ascenseur à. Cet ascenseur à dalle, donc non, ça nous l'active, donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Okay. En fait, ça ne sert pas trop à grand chose, à vrai dire. Mais bon, déjà, ça les bloque un petit peu. Donc, vous voyez, ça les bloque un petit peu. Et en plus, ça spawn, mais vraiment à une allure. Franchement, pas possible. Vous voyez, ça marche vraiment très très bien. Bah après il faut attendre que ils arrivent. On a toujours une patate. Donc bon. Ça c'est vraiment chiant par contre. Bon en fait ça marche sur. C'est vraiment très très bien. Mais c'est surtout vraiment. C'est bon. C'est une usine à XP. Mais surtout pour avoir des patates. Moi c'était surtout pour ça. Donc j'en ai une, je suis vraiment content. Donc c'est vraiment si j'en ai besoin, ben j'irai ici. Mais bon, comme vous le savez, il y a l'usine Enderman qui marche vraiment beaucoup mieux, qui est vraiment mieux. Donc je vous invite à aller voir aussi la vidéo. Donc voilà les amis, donc j'espère que cet épisode 32 vous aura plu. Nous on se retrouve mardi sûrement pour le début d'une nouvelle petite série qui j'espère va vous plaire. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour la FAQ des 2000 abonnés qui arrive à grands pas. Merci à tous, pardon, d'être aussi nombreux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu et de partager la vidéo. Et moi, je vous dis rendez-vous à mardi pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde et bon jeu!